Dominique Actualité. Actualité dans le pays d'Haïti, Conseil présidentiel transition a exprimé volonté prioritaire pour combattre violence, surtout après dernier attaque gangue dans Grecie. Histoire des États-Unis, président Joe Biden a annoncé nouveaux tarifs sur produits chinois pendant qu'il dénonçait la Chine de ce que l'a fait coquin dans le commerce international. États-Unis justice, Michael Cohen, ancien avocat Donald Trump, continue à répondre question Jodia dans le procès historique ancien président qui en bas accusation de ce que l'été acheté silence venait pour nous Stormy Daniels. Et puis dans la région Moyen-Orient, il y a une négociation qui continue à faire dans le pays Égypte et Washington espérer que Gontrève qui va déboucher après négociation ça. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est qui côté, wap tande et regarde en même temps édition La Voix de l'Amérique ça. Quelque dans l'autre grand point cap dominer actualité que nous porter pour après La Voix de l'Amérique là, et bien faut qu'on est bois calé sous mamba gang crasé barrière et bien je dis à la bien bonnet cher gang. Piti li même li tombé avec plusieurs l'autre bois calé qui bail tout rete branché journal là pour pas perdre aucun information. Sur l'échelle internationale, président russe Vladimir Poutine a fait une visite d'état dans la Chine dans semaine ça là même avant même que li fini ou a besoin de détails. Agence l'ONU fait qu'on est presque 4500 moun qui te ville Rafah et bien pas la force. Et nous déjà qu'on est attaqué ou même qu'a fait en Israël. Officiel américain ak chinois planifié yon rencontre dans pays la Suisse dans moment sa yo la pour débattre sous dossier Gaza. Gros accident fait 40 moun blessé dans pays États-Unis. Jugement contre petit garçon président Joe Biden nan pour possession zam li même li pral commencer dans mois juin k ap vini la. Pour ça plusieurs autres que nous pote pour dans édition La Voix de l'Amérique ça, mais avant même nous rentrer dans point ça yo, pas oublier abonner avec channel là, pas oublier activer ti cloche notification pour la mettre sous tout pour pas rater aucune vidéo si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel ça. Pas oublier quitter un like sous vidéo, partager avec yon ami, yon famille, yon façon pour capable aider nous grandir communauté channel si là. Nous pas perdre trop de temps dans plaider en pile et bien la go directement dans édition La Voix de l'Amérique là rete branché puis devant n'a venir avec tout reste l'autre détail d'abord dans pays d'Haïti. Bienvenue, merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Conseil présidentiel transition exprimé volonté prioritaire pour combattre violence surtout après dernier attaque gang fait dans Grecie. Yves Manuel c'est correspondant nous dans Port-au-Prince. Suite à l'attaque bandit à Meo fait contre sous-commissariat Grecie dans la commune Kafou, conseil présidentiel là dans une note pour la presse, rete quoi événement ça montré une autre fois encore priorité des priorités à s'écraser banditisme dans tout pays hein, qui donc assurer sécurité population haïtienne. Conseil arrêté quoi, c'est responsabilité pour garantir sécurité chaque citoyen en de pays hein. Dans communiqué pour la presse ça qui rend public 13 mai 2024 là et qui signé par Edgar Leblanc, conseil là dit indigné après Jacques bandit au fait dans la commune Grecie. Côté la police a pas reprendre contrôle situation dans jour cap vini la yo bandi va suspend dicté loi yo, c'est ça conseil la promettre pendant l'annoncer formation avant longtemps conseil national sécurité hein, selon vœu accord 3 avril. Accord 3 avril là n'a souligné prévoit formation conseil national sécurité hein. Cependant divers jours passés déjà aucune mise en place pour qu'au fait dans ce ça conseil présidentiel là réitéré engagement li pour mettre en place structure ça pendant le remercier population haïtienne pour maturité et patience li. Conseil national sécurité a bien pour coordonner relation entre police nationale là, force l'armée d'Haïti et puis soutien international là dans domaine sécurité. Une association qui prend une véritable machine de guerre contre bandits dans tout pays hein, selon sa conseil a souligné. En plus attaque gang Améo dans commune Grecie qui était fait objet de discussion dans mitan conseil là pendant week-end écoulé hein. Même conseil présidentiel yo y a travaillé tout sur inventaire des gars mouvement dernier mois causé dans Port-au-Prince avec divers l'autre côté dans pays hein, côté gain divers casse et incendie qui fait selon conseil présidentiel Leslie Voltaire dégâts ça yo gain effet yon goudou goudou sur tout pays hein. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et actualité a mené nous dans Jérémy, dans le département Grandans, côté ancien sénateur Eli Guy Philippe, mandé démission membre conseil présidentiel transition. Mackinson Charles, c'est correspondant nous dans la région. Ancien sénateur Eli Grandans, Guy Philippe, pendant passage de jour qui était samedi 11 mai 2024 là dans Ville Jérémy, t'es profité parler dans micro la presse pour dénoncer conseil présidentiel là selon lui-même qui pas refléter choix peuple là. En même temps, profiter par raison qui fait révolution pour qu'arrive abouti, Jean pile monde t'a souhaité ça. Conseil de femmes ça pas mener Haïti aucun côté. Il pas capable mener Haïti aucun côté. D'ailleurs, chaque bureau un exemple, combien monnaie dans rien, combien l'argent pour dépenser pour gagner 9 bureaux. On dit presque une centaine de monde. Chaque coup de machine, chaque coup de gaz, chaque coup de feu, chaque coup de chien. Nous avons déjà pour. Quand on a besoin d'argent pour investir dans l'agriculture, quand on a besoin d'argent pour investir dans l'éducation, qui est-ce qui veut défendre? Qui est-ce qui veut dire là? Il n'y a aucune légalité. Il n'y a aucune
bagaille légale qui a fait pour dire que ça a été légal. Il n'y a aucune légitimité populaire. Donc, le monde qui a dit révolution, révolution, ce n'est pas un coup d'état, non? Révolution, c'est pas une prise d'âme, tant qu'on prend un pour aller au pouvoir, non? Non. Révolution plus profonde que ça. Révolution, c'est un système qui est chargé, il compte prétendre, la prétendre, on va faire tout, on va arriver sur le pouvoir. Ça fait révolution, supposé continuer. Et puis, révolution, pour le monde, il a dit Philippe. Même si Guy Philippe a disparu demain, il y a l'autre génération qui va prendre. On a privé côté Bolivia, on va aller droit au but et on a fait notre haïti besoin. On a toujours soumis toi, on a toujours là pour nous dénoncer. Et c'est pas aujourd'hui, après, on a un mouvement révolution. Ancien sénateur Eli Grandastan m'a demandé pour mon conseil yo capable ouais la raison pour yo démissionner pendant les comptes yon déploiement yon force étrangère dans pays hein. T'as pas gagné rien contre aucun politicien dans le fond. Je vous dis yo, puis mon conseil capable c'est démissionner. Où tu prends pas bon, où tu prends y a crasé Haïti. Comment pour prendre bon pouvoir pour Blanjou en vain yo maintenant forcer pour dire qu'on accepte intervention militaire dans pays yo. Qui patriote, qui haïtien, qui compte tout ça ne passe pas intervention. Depuis qu'il y a pas intervention 1994, 2004. Qui sa intervention j'en fais pour nous? Qui sa intervention militaire j'en utile à Haïti? Pour un patrie de là, il faut s'en pour on l'autre intervention qui va même militaire à la ville, non? Police Kenya, on police qui corrompt, on police qui a tout problème par la gare. Yo vle ouvrir là, pour ouvrir et dire ok, peuple noir ça va pas bien, c'est carreau total. Depuis Jérémy, Mackinson Charles pour VOA Creole. L'autre point dans l'actualité a gagné action gang Améo qui gagne un pile impact sur pays mais qui gagne impact principalement tout sur et santé mentale Timounio. Nous allons voir ça avec Fred Kaimit. Violence qui crée la trouble dans pays d'Haïti traumatise Timounio. Nous voulons dire qu'il y a un gros impact sur santé mentale yo. Kounia, société haïtienne a développé une tendance pour craser tabou, vieux préjugés à conception sur ça qui ira pour le service santé mentale. Chaque jour, jeune, ça a exposé à Brilaria qui charge avec violence dans beaucoup de cartouches, balles cap chantées, à Poun Caprile en bris devant la terre gang à Sinaï. Et les vieux dans l'aria, il y a passé beaucoup de cadavres avec troubles dans le corps. Par exemple, dans la zone de repos, dans la partie non capitale de la Port-au-Prince, et les vieux qui ont vomi, pipi souillé dans la classe, pendant que les âmes louent à chanter. Yasmine Dewoche, un psychologue, partage une stratégie d'utiliser pour aider Timonio. Je n'ai pas de possibilité. Comme si pour l'inquiéter de balio de situation parce que moins occupé tant soit nous n'a pas joué là n'a joué ensemble ou bien n'a dialogué sous dossier ça Bruno Maris représentant UNICEF en Haïti dans interview avec AP t'est présenté impact situation en gain sous Timonio. Violence ça traumatisant et bien c'est une génération timon ak jeune qui ici a. C'est peut-être ça, violence de Kaba. C'est pour ça nous besoin de sécurité, nous besoin de protection. Nous devons mettre sous pied un petit crasse l'espoir avec service dans un environnement sans violence. Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti, en bas la terre à gros attaque gang puissant qui contrôle d'après un rapport des Nations Unies plus 80% zone métropolitaine. Non? Violence a eu la cause de la mort au moins 2500 monde mourir ou soit blessé dans trois premiers mois dans l'année 2024. Là. À peu près 900 écoles fermées portes à travers Port-au-Prince pendant que fusillade et exact kidnapping continuer. Amos, lui, qui c'est un maman qui quitte Kaili à cause d'activité gangue, te parle de situation li. Qui côté mal, mal mette l'école là. Un problème de sécurité, si moun nan l'école, t'en est tiré et courir avec Timoun. Problème de sécurité, tu m'as amené à l'école. Avec l'école, vous voulez, ils ont pas de moyens encore, juste pour payer l'école. Pendant ce temps, il y a une nouvelle équipe gouvernementale qui prend tête pays à. En parlant des conseils présidentiels de transition qui gagnent, un gouvernement qui prend le monté. Comme Pigou des filles gagnent, c'est rétablir la sécurité dans le pays et bloquer l'activité gang. Yon reportage, préparation et présentation Fred Kaimit, n'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, puis précisément dans Port-au-Prince, côté coordinatrice générale programme national cantine scolaire, Madame Calix de la Tour, souhaité phénomène gangsterisation fini dans le pays pour activité programme, non, on a parlé de programme cantine scolaire, et bien qui paralysé, capable de recommencer. Yon reportage, Renat Toussaint, depuis Port-au-Prince. Phénomène gangsterisation, banditisme, y a incidence grave sur fonctionnement, capacité opérationnelle, Programme national cantine scolaire PNCS, d'après coordonnatrice générale institution ça, Madame Gina Guyer de la Tour. Par rapport à la situation pays, nous, c'est directement c'est sous le ministère de l'Éducation nationale que nous sommes. Ça veut dire c'est le ministère des Finances, tout ça qui a fait ça, il y a que nous comme institution. Donc, gens que pour opération, tu as fait pour acheter, manger, je viens de manger, nous pas arrivé à faire ça. Et bon, par exemple, nous sommes capables de dire, nous avons un marché que nous avons ouvert depuis l'année dernière. Marché a fin validé, nous connaissons que nous avons manger pour nous bail. Et puis, les pour nous avons manger pour nous bail, problème en série de bagages fait que manger pour nous pas jamais arriver recevoir manger ça pour nous faire distribution. Ça veut dire problème pays, il y a qu'un nous.
li fait que PNCS pas fait moyenne dans classe là l'elle pas fait moyenne en tant qu'opérateur nous pas honte tout pour mettre nous pas capable mettre parce que nous pas fait moyenne vrai. Madame Delatour dit malgré tout grâce à support différents partenaires local et international tant que Fonds national éducation FNE et programme alimentaire mondial PAM il y a plus passé 1 million de monde qui bénéficiait programme cantine scolaire. Là nous t'es venu et nous t'es pour chiffre que t'es gagné yo c'est moins que 500 000 personnes j'ai chiffre là bien mais qu'on y a là nous à plus de 1 million. Nous bâillons un rapport détaillé OK de mais qui partenaire nous fait 30% à juge même comme si c'est un bagage qui fait de manière et transparent nous bâillons tout chiffre tout est disponible sur site PNCS sur site et sur tout réseau honnête. Moun yo capable ouais chiffre et ouais chaque partenaire mais qui quantité yo fait et PNCS tout mais qui quantité l'aime pas faire moyenne tout comme opérateur nous mettez lui parce que l'année dernière pas faire moyenne et année ça on pas qu'on faire moyenne encore dans opération pas dans régulation l'édit département l'ouest précisément zone adjacente Port-au-Prince vraiment pas bénéficié à cause phénomène insécurité madame Delatour fait connait y a travail sérieusement pour que yo reprenne activité yo dans région ça pendant fixer objectif pour que d'ici l'année 2030 tout le monde de l'école participait dans le programme cantine scolaire. Renan Toussaint, pour VOA Créole, Port-au-Prince. Merci, Renan Toussaint. Et plus passé, il y a une centaine de monde qui fait dans la prison civile commune Kafou a fait face à un problème grand goût sans pareil. Massiado Vilme, gain détail sur point ça. Activité gang a mené dans rentrée et sortie ici de Port-au-Prince, faisait le sous deux prisonniers qui fait dans la prison civile commune Kafou. Il y a un citoyen qui présente tête comme un responsable prison qui n'a pas d'accord nous citer non à bas détail. Dans le moment où on a parlé là, la prison n'a pas de manger. Bon, l'État connaît le problème pays, l'État est en difficulté pour passer matissant avec manger un petit genre difficile. C'est la raison ça qui fait prison qui n'a pas de manger. Là, nous, les supérieurs hiérarchiques, nous allons avec lui, nous avons des bagues qui sont finies, mais on nous font titan. Et pour le moment, nous n'avons pas de poids, nous n'avons pas d'huile. Pour assurer. Et sécurité prison, il faut que les prisonniers viennent manger. C'est 155 prisonniers fermés là. Si nous ne mangeons pas pour nous, c'est la catastrophe. Le problème de l'aventure là, c'est que nous manquons matériel pour nous travailler. Nous n'avons pas de gaz pour nous question d'éclairage là, etc. Nous devons dire que nous n'avons pas arrivé à identifier tout et puis aller à cadavre policier Jean Danas dans la nuit de lundi 13 mai 2024 là, dans la commune Carrefour, puis précisément à côte plage 20. D'après syndicat national policier haïtien yo Sinapoa, ça fait 18 policiers yo compté qui mouri assassinés depuis commencement année 2024 là. Cependant situation rete compliquée dans rentrée ak sorti site capitale là, surtout dans commune Gressier. Citoyens ak citoyens kap chercher vaké ak occupation yo gen contrainte pour fréquenter route nationale numéro 2 là. Nous besoin passer dans route là pour nous al vendre les organes, pour nous al vendre 10 fois. Route là bloquée, pa bay machine passer, pa bay nan pi passer. J'ai dit 4 du matin, nous levons. C'est la rue pour nous chercher la rue, pour nous prendre soin de la famille. Alors que depuis le matin, depuis 4 nous dans la rue, pour nous pas garder une machine pour traverser le Gressier, ou bloquer le Gressier. Et voilà, vous pouvez demander l'État pour faire un, pour nous savoir si c'est la rue, pour nous traverser, pour nous chercher le dégagement. Comme nous, comme la banque nous prête, avec ce qu'on a dégagé, nous avons marché de sécurité, ou nous pas traverser, pour nous venir. Situation ça, c'est conséquence bandit qui a cherché à prendre contrôle comme une Gressier depuis le week-end passé. De l'autre côté, moun capable voyer mouvement nettoyage jeune avec autorité dans commune Delma tamé jeudi mardi 14 mai 2024 là dans l'idée pour forcer la vie reprendre après Zak Brigaday bandi vivre ensemble yo fait dans un beau parti dans commune là jeune qui campé qui prend initiative côté que nous dit Delma pas péri c'est ça fait nous lancer opération ça dans Kafou bon nous pas prêter seul Kafou bon n'a fait ceci et certain n'a fait dans tout Delma appelle dans tout Delma de bloc en bloc de quartier en quartier au fur et à mesure l'autre jeune qui cap fait politique Nadelma décidé rejoindre nous n'a continuer et travailler là-bas bloqué. Pour finir Nabzou, force de l'ordre continue à affronter groupe civil armé qui cherche prendre contrôle sur l'île depuis plusieurs mois. Pour jeudi mardi 14 mai 2024 là, monde capable tendre un pile coup de balle qui a chanté dans Solino, Belé, Fort National pour citer ça seulement. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Ou toujours sous VOA Créole, ou suivre le programme dans langue créole haïtienne, c'était actualité à concerne pays d'Haïti, pas déplacer actualité internationale là dans un petit moment.
Merci d'être choisi VOA Creole pour informer aux actualités internationales là. États-Unis justice gagne Michael Cohen, qui est ancien avocat, ancien président républicain Donald Trump, qui continue à répondre question la justice dans procès historique ça à côté ancien président en bas accusation comme qualité acheter silence. Yon vedette porno Stormy Daniels, nous avons gentil Augustin Junior qui gagne une mise à jour pour nous. Ancien avocat Donald Trump là, Michael Cohen, digéré à jeudi mardi 14 mai 2024 là, dans une réunion dans bureau Oval là, dans mois février 2017, président américain dans moment, t'a confirmé un plan pour rembourser en cachette l'argent li t'a payé pour silence vedette pornographie Stormy Daniels. Cohen, qui représentait un témoin clé dans procès criminel Trump là dans New York, t'a admet tout, li t'a bail menti plusieurs fois. Après li t'a fin prêter serment pour le dire toute la vérité, mais li te insisté que li te fait ça pour te rester loyal vis-à-vis Trump pendant que procureur yo t'a cherché contre-attaquer crédibilité Cohen. Dans premier jour li comme témoin, Cohen te détaillé qui Jean Trump te balode pour payer actrice film porno Stormy Daniels. Fait li, Cohen te rappelé Trump te dit pour qu'embé histoire li sou yon soi-disant rencontre sexuelle dans l'année 2006 avant élection 2016 yo. 130 000 Cohen te bay Stormy Daniels pour Donald Trump dans mois octobre 2016, trouvé l'enquête procès historique ça qui dans 5e semaine li. Trump, 77 l'année, candidat républicain pour élection présidentielle 2024 là, te plaidé non coupable et rejeté causé comme quoi li te gen relation sexuelle avec Stormy Daniels. Li considéré procès ça tant qu'yon persécution et comme yon interférence adversaire yo dans campagne li pour reprendre Maison Blanche là nan main président démocrate là Joe Biden. The gag order has to come off. Gage order doit lever. Qui donc, le opposé mion question sou moun na pale ya, mwen pa gen doit répondre. Pas jam gen an yen konsa nan l'histoire pays nou an. Se yon anak, se yon ingérence électorale nan yon niveau nou pa jam wè anvan. Et puis kounye ya, si ou pa gen problème, mwen pral antre nan glasye ya, et puis chita pou yon bon titan. En tant que yon gros républicain nan congrès ya, Mike Johnson, se pi ancien nan mam pati ya, ki paret ak Trump de yo tribunal la nan New York. Côté, yo akize Trump parce qu'elle était essayé cacher yon paiement silence, yon star porno pour renforcer campagne présidentielle li dans l'année 2016. President Trump is a friend and I wanted to be here to support him. Président Trump c'est yon ami et moi te vle là pour me supporter. Ça c'est 5e semaine président Trump dans tribunal pour jugement ça. Il a fait ça exprès pour qu'un bel ici là et puis empêcher le faire campagne. Procureur yo dit Trump te rembourser Cohen après élection yo. L'élite créé faux dossier qui indiquait c'était pour frais légal yo. Remboursement déguisé ça yo, formé base 34 accusations pour falsifier dossier business Trump a fait face. Cohen 57 l'année, te dit qu'elle était bail congrès a menti plusieurs fois pendant yon enquête sur lien Trump à Clarisse. Finalement, te plaide coupable pour faux témoignage. Li te di jiri yo tout que li te bay menti sou paiement Daniels ak yon lot femme. Li di reporter yo que Trump pat gen aucun implication et puis pressé mandé Daniels pour publier yon déclaration qui démenti rencontre yo. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Donc pour ça après continuer qu'on y a fait ça relé et ben examination de toute déclaration que ancien avocat et ancien ami tout ancien président Donald Trump en parlant de Michael Cohen n'a prêté toujours ici aux États-Unis côté président Joe Biden il prend la parole aujourd'hui à côté l'annoncé il a metté augmentation drastique sur produits électroniques pays chinois mais déclaration Dear Debbie welcome and Haley Stevens but for too long it hasn't been fair. For years, the Chinese government has poured state money into Chinese companies. Trump dit là, injustice ça là trop longtemps. Pendant plusieurs années, le gouvernement chinois a pompé l'argent, l'État dans un paquet de secteurs, toujours dans le domaine semi-conducteur, machines électroniques, panneaux solaires. La Chine subventionnait tout produit ça. Ça qui poussait entreprises chinoises à produire plus parce que ça le reste monde là capable d'absorber. Et ça qui en plus il a gagné sur le marché à un prix injuste et qui puis va passer l'autre fabricant et ça crée la faillite. Président Joe Biden dit ça pas fait encore. Nous pas quitter la Chine inondée marché noir pour rendre impossible pour constructeurs automobiles américains rivaliser d'une façon qui équitable et avec exploitation droit de douane qui rivait la augmenter plutôt et prix droit de douane qui rivait à 25% sur batterie machine électronique qui sortit dans la Chine et à 25% sur minéral essentiel qui dans batterie ça en parlant de batterie chinoise. Donc président prend la parole aujourd'hui et pour augmenter tarif ça sur produits électroniques
électronique pays chinois. Il faut dire que la rivalité entre les premières puissances mondiales, par les États-Unis avec et la Chine, qui est deuxième puissance économique, là, et bien, c'est un bagage qui est toujours dans l'actualité. Et je dis à président Joe Biden lui-même, il dit que ça arrive trop longtemps, faut son bagage qui est capable d'adresser. Et puis l'autre point d'actualité, il y a un secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui fait une visite sans attendre dans Kiev, côté il déclaré assistance et les États-Unis arrivent pendant que l'Ukraine a traversé une période difficile. Marie-Luce Pierre. Président ukrainien Volodymyr Zelensky te remercie les États-Unis pour saluer les yon paquet assistance essentielle pendant l'été organisé yon chita par le Madi dans Kiev avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Zelensky te dit Blinken, visite à Tabzini pendant yon période difficile pour les pays noirs pendant la Russie te intensifié attaque yon sur région Kharkiv là. Very good to see you. I bring as well. Blinken te dit les États-Unis ensemble avec leurs partenaires ukrainiens déterminés pour assurer que l'Ukraine gagne ça les besoins pour les réussir dans la bataille contre l'invasion de la Russie. Les États-Unis ont annoncé la dernière contribution dans l'effort de la guerre ukraine. C'est un paquet de $400 million dans les armes et équipement. Visite Blinken et la donne tout. Il a parlé avec le premier ministre Denis S. H. Mile, avec le ministre des Affaires étrangères Dmytro Kuleba, et puis la brigade pour faire un discours dans Kiev. Porte-parole du département d'État américain Matthew Miller a dit dans une déclaration que Blinken a discuté sur mise à jour champ de bataille, impact nouveau sécurité américain, avec assistance économique, sécurité à long terme, avec l'autre engagement, avec travail continuel pour renforcer récupération économique Ukraine. Marie-Luce Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre. Actualité à mener nous dans la région Moyen-Orient, côté que Washington espérait va gagner une trêve, va réussir à joindre un cessez-le-feu à travers la négociation qu'a faite dans le pays l'Égypte. Faut dire déclaration Washington ça vini Jean-Robert Philippe dans le moment Israël annoncé un plan que le gagnant pour mener une opération dans le sud et ville Rafah côté que gagnent qui parlait de 1 200 000, gagnent qui parlait de 1 500 000 côté que ni Washington ni Nations Unies pas d'accord avec une opération l'armée israélienne Jean-Robert. Effectivement, Jacqueline, ben ça devient compliqué situation toujours. En plus de ça, on dit là, il y a un autre dossier encore qui est rentré pendant la négociation à dérouler en Israël avec Hamas, que les États-Unis souhaitaient être en trêve là-dedans. Mais c'est annonce qui fait comme quoi le tribunal et criminel international des Nations Unies prend le temps des plaintes. Afrique du Sud déposée, côté li annonce, côté li dénoncé ou bien encore, côté li accusé Israël pour génocide dans la guerre menée dans le territoire Gaza. C'est un bagage qui bat les États-Unis en plus d'inquiétude, dans le moment que les États-Unis ont encouragé de partir pour les États-Unis en tente qui va déboucher sur la libération aux États-Unis et puis tout pour être contre la guerre qui a déjà touché le 7e mois. Il s'est expliqué à millions de monde à vivre dans le territoire Gaza, souligner les besoins urgents, leader mondial de gagner, pour mettre fin dans la guerre dans le territoire après plus de 7 mois de bataille. Crainte ça n'a pas empêché Israël à préparer pour lancer attaque dans la ville Rafah, qui est chargée avec le monde, malgré l'objection des États-Unis. This particular negotiation has had its ups and downs, its ins and outs. Conseil national Maison Blanche là, Jack Sullivan déclaré négociation particulière ça a gagné bon avec mauvais côté. Capable gagner un cessez le feu demain si Hamas libère otage qui blessé avec personne âgée. Nous avons confiance Israël mettait sous table une bonne proposition et que Hamas fait une contre-proposition. Monde l'envle pour gagner un cessez le feu. Monde cap fait demande ça, doit demander Hamas chita sous table et puis travaille jusqu'à ce que nous joignions une entente. Il y a une nouvelle fissure dans le processus là. L'Égypte qui a accueilli une négociation dit qu'il supportait plainte pour génocide qui déposait contre Israël devant le tribunal de justice internationale là. Jack Sullivan déclaré mais pas capable dit support ça a aidé dans une discussion qui a déroulé en Égypte entre Israël avec Hamas pour essayer de régler question accès à assistance humanitaire. Mais moi connais Égypte, Israël, États-Unis, Nations Unies et bien ils tous apaisé travail ensemble pour une façon pour avancer. En essayant de faire connaître confusion dans le message Washington non, particulièrement sous plan Israël gagné pour lui lancer une grosse opération militaire dans le sud ville Rafah. David Makowski, un éminent collègue dans Washington Institute et directeur projet Corel dans la relation israélo-arabe a déclaré il y a quelques signaux d'épargne bon côté administration. Il y a des lèvres, c'est en cours, il compte tout le bagage qui est pour avec Rafah. Il y a une autre fois, il dit non, non pas contre Rafah. Nous voyons Jean Moué plan. Moins quoi, c'est un bagage qui doit clarifier. Le leadership israélien a fait face avec pression pour côté citoyen qui a accusé le premier ministre Benjamin Netanyahu comme responsable qui a chauffé du fait dans la violence palestinienne. Pendant ce temps, Israël continue à attaquer le territoire Gaza malgré responsable qui a cherché une route de la paix. Jobert Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis, communauté catholique dans Miami marque 25e anniversaire en paix bien connu dans la zone. Serge François Michel, un détail.
réfugiés des autres Miami à camp pile côté des États-Unis, même en Afrique pour réunir dans l'église Sacré-Cœur, dans la ville Homestead, dans le sud-ouest Miami. Côté l'église là, t'es organisé, ils n'ont aucune fête de célébration pour marquer 25e anniversaire curé paroisse là des villes des Sacré-Père catholique. Curé l'église là, Père Robes Syrian Charles, t'es habillé même Jacques, Père Gabriel Mbéa, qui est sorti directement tout près à Abuja, capitale pays Nigeria. T'es un côté pour piquer les épingles dans l'église là, Père Réginald Jean-Marie, qui s'est curé l'église Notre-Dame, dans Haïti, dans Miami, t'es présent. C'est vraiment un moment de grande joie pour moi-même, parce que Père Robes ensemble avec nous gagnons toute une histoire ensemble. Nous entrons dans le séminaire ensemble, et de Saint-Jean-Vianney à Saint-Vincent-de-Paul, et ordination Robes, c'était 25 ans de cela, je songeais de ça. 11 mai, c'est un moment vraiment qui était en pile pour moi, parce que nous avons contemplé moi-même pour l'ordination PAM. Et le regarder, nous tous deux, nous faisons chemin ensemble. Gabardou, c'est vraiment un pile sacrifice et une volonté. Et ça, c'était toujours bien qu'avec Père Robes, c'est une passion pour le sacerdoce. Et non seulement ça, c'était toujours un qui révélait et manifestait un acte de foi dans la ville. Père Robes Charles, travailles-tu dans l'église là? C'est lui qui chantait chaque dimanche messe en anglais. Pour Américains, messe pour monde qui parle espagnol, avec messe créole pour Haïtien. Il était parlé avec Véora créole pour dire qui sa célébration ça représentait pour lui. Myself, je believe, c'est un coup que moi, je me suis donné, c'est aider mon Dieu. Oui, c'est tout nos servants dans toutes conditions, dans toutes bonnes conditions, dans tout chemin, la vie, mon Dieu, aider à vous. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Et ça a poussé le but de ma vie. Donc c'était un grand moment dans l'église catholique là, c'est là nous mettons fin. Moi c'est Jacques Lambert-Lizer. Bonsoir et à l'autre information que nous portons pour nous aller directement dans la ville Cap Haïtien côté commissaire gouvernement paquet au Cap là lui-même met Diran Charles Edouard mandé directeur départemental police là pour lui transférer toute policier SDPJ Noyo et bien quitter dans cité devant local là paquet à avant hier lundi 13 mai 2024 là qui donc policier a ça eux même étapement de justice avec dénoncé ordonnance doyen tribunal là lui-même qui s'est met Alfred Maniga lui-même li prend sous dossier Zack assassinat policier Rémi Sensa et bien dans ordonnance là doyen lui-même li libéré madame présumé assassin et puis mandé avec SDPJ remettre paquet à tout corps délit eux-même qui ont été saisi sous dossier si là et bien commissaire lui-même qui était vraiment nervé il prend la presse et bien li parle en pile li mandé transférer policier est-ce qu'il est aussi facile et puis li bon tout pour eux-même yo ta pral la transférer moun sa yo bien rapide dans dossier si là qui gagne assassinat yon policier qui retire la ville nous pas connaît mais c'est le commissaire gouvernement au cap là les même qui se met durant li mandé pour transférer bien rapide et donc nèg depuis yo contre avec dossier urgent yo chercher ça qui plus facile compagnie sonoise fait qu'on est que vol international li yo même y a recommencé dans aéroport international Toussaint Louverture là et bien les même nan comme ça doit et bien c'est dans date cap 20 mai 2024 cap vini là qui donc sonoise qui devait faire voyage de au cap avec zone sud là et bien pourquoi elle est là li déjà annoncé 20 mai cap vini là c'est pour reprendre vol aéroport international là tout c'est l'ouverture qui déjà gagne plusieurs mois depuis le fermé là et bien sonoise annoncé que même pour recommencer avec vol yo sous pays d'Haïti et bien pour même aller dans l'autre pays étranger. Ancien sénateur l'Ouest pays d'Haïti a Anacassis Jean Hector et bien Anacassis Jean Hector lui-même qui pas jamais voyé roche caché mais pour te dire que li kon recevoir l'argent avec poste pour lui-même li voter premier ministre la motte qui donc candidat pour te capable venir premier ministre tout et bien dans une émission radio ancien sénateur lui-même li t'a participé li te dit que lui-même li t'a admettre tout politicien qui sous scène et bien c'est chat que yo même yo yé il pat retire tête li nan mita chat yo en tout cas monsieur candidat pour faire yon coûte premier ministre et bien li présenté parti politique la paix mes amis bagay yo dwol ki donc monsieur pa dans cache mais voye roche li fait connait que tout sénateur ou bien candidat ou bien tout quel que soit politicien y a et bien moun ki dans sénat dans député tout ces chat il pas retire tête partout nan parmi chat yo ki donc li besoin premier ministre et est-ce que c'est pour le cabine fait pi gros mimi nous pas connait mais c'est ça lui même li fait connait met Izwik Théophane lui même Izwik Théophane qui c'est yon ancienate à Montana qui te fait partie conseil président qui fait partie conseil présidentiel transition mandé messieurs dames conseil présidentiel yo même pour engager ou nan aider population parce que
pouvoir nan men yo, c'est pour yo aider peuple là. Et donc monsieur lui-même li déjà ouais peuple là a souffrir, li dit ça dans un tweet que lui-même li te fait après-midi 14 mai à côté lui-même li aider moun fort national yo bien qui en babala cap relé en moi et mettre au fin ces membres conseil présidentiel transition et lui-même tout qui c'est capisam bien qui en dans à Montana son jeté au fait lui-même li candidat pour premier ministre tout et bien ça qui la cause lui-même li gen moun ni qui dit que c'est un petit campagne cap mené et bien c'est pas ta sensibilité que les mêmes litagens donc sensibilité avec campagne yo différent et bien le fait qu'on est n'a condamné énergiquement attaque criminelle yo même qu'a fait sous population dans fond national dans mouvement n'a parlé là plusieurs monde qui t'a perdu la vie yo n'a demandé avec autorité l'état yo même pour yo prendre toute disposition pour sécurité monde yo avec toute l'autre zone qui en bas pression criminelle pouvoir égal avec engagement c'est tweet ça qui mette au fait même li t'a pral fait sous compte officiel li mes amis tout nèg besoin pour voir tout nèg a mette mamba Jean yo vle Boakale a retourné dans pays d'Haïti là pile Boakale baïe si tout nan gressier et bien gang qui t'rele Charles Maye Douarien alias Baby a monsieur li même li c'est mon gressier natif natal et bien depuis aïe monsieur li même li prend Boakale nan route pour monter Kajis, et bien les mêmes li perdi la ville yon l'autre côté tout et pas les mêmes seulement qui prend Boakale vite l'homme li gen qui déjà passé en bassin Boakale donc bandi li même qui prend Boakale et bien en membre gang crase barrière et bien bonné matin là et bien c'est cher gang qui li Pitia et même ici lui-même li tombé dans mouvement Boakale chef gang Piti c'est membre gang crase barrière lui-même qui te kon fouye moun dans zone Kafou Isme peigné 26 24 à 17 et puis tout peigné 12 et même li te kon kase kaimon tout dans zone Kagou kidnappé moun dans zone Académie police là et même ici prend Boakale matin mercredi 15 mai 2024 là en bas main population en peigné 12 tout près zone petit ou pour monsieur lui-même li prend yo camionnette matin li tap a essayer faire plusieurs moun monter camionnette là pour lui-même li aller ak yo et bien c'est comme ça moun yo même yo fait course ou li avec tout roche coude ka pile coude roche tomber sur monsieur côté moun yo craser monsieur en bas coude roche et bien yo fait Boakale sur li juste yo touyer le petit li même là pour la craser barrière getan lever cadavre là et bien yo pas quitter cadavre là dans la rue. Mais de toute façon, puis dit les mêmes li déjà passé en bas mouvement Boakale dans zone peigné 12 qui donc Boakale a fait relancer et un plusieurs bandits tout qui prennent dans zone Gressier qui ont même tap fouillé mouvement Boakale il semblait retourner tout neuf commune Kafou et bien les mêmes li sous gros tension bien bonné matin mercredi 15 mai 2024 là et puis et bien en bas côté toute l'école t'est déjà les parents ou vinn prendre timon yo et puis c'est que en pile tiré dans quelques zones bien bonnet matin mercredi à la mettre sous ça dans en pile coin ta cou dans tête ouane 87 yo remarqué nega gros âme plus ça cap fait aller vini dans gros machine sur route principale là et bien c'est une commune qui baille gros que sauté parce que gang baril dans tous les quatre coins commune si là qui donc bagaille là pas paraît douce dit tout dans dernier jour ça là et gang eux même qui vraiment que sauté et bien on t'a débouché sur grand site là pour comment on était capable essayer évacuer et bien ça qui pas facile dit tout et bien gain en pile voice cap si qui est sur internet là là côté bandi eux même y a parlé entre eux fait qu'on est qui ouvre tout est miscadé et yo même yo gagné envie pour être capable faire dans site là parce que miscadé les même qui cause gros problème pour nèg yo qui donc yo pas capable traverser avec yo facilité et nèg yo metti dans tête yo même pour yo voir comment yo était capable retirer la vie commissaire miscadé mais qui pas facile du tout et peuple pas souhaiter ça tout tout nèg cap essayer monter mal sur commissaire miscadé qui donc ou Renzo miscadé te fin faire gros opération là Gressier et lui-même qui parle à des policiers, et bien il continue à porter si Paul Bahia, policier qui n'a commis cela, il y a une façon pour être capable de résister en bas, mais n'est-ce pas même qui pas décidé de camper. De l'autre côté, dans le dossier qui vient pour avec un dossier Kenya, il y a commencé à rassembler policiers qui prennent faire partie des premières troupes qui vient pour arriver sous terre dans le pays d'Haïti. C'est même ça là, autorité Kenya a même rappelé tout officier qui était dans le congé et qui doit faire partie du premier groupe qui vient pour entrer dans le pays d'Haïti. Et bien, policiers, ça a même qui déjà recevoir formation nécessaire dit pour qu'on combien de cobres ils prennent toucher les arrivés en Haïti. Officiers, ça a sorti.
dans unité service général Kenya police administrative unité paramilitaire protection frontière pour ne citer ça seulement c'est eux-mêmes qui gagnent pour ta rentrer sur territoire national là mais toujours temps en temps toute bagarre fin réglé mais dossier mania li pas suspend répéter et bien nan dossier qui gagne pour avec dossier force mission multinationale là les mêmes qui ta doit rentrer sur territoire national là de 23 à 26 mai qui vini là gagne 8 moun qui mouri nan yon dividal là l'autre blessé ou même nan yon gros accident circulation yon bis nan état Floride hier mardi qui était 14 mai 2024 d'après autorité ou bis ça li même li t'a transporté plusieurs dizaines de travailleurs agricole et bien travail agricole ça yo même yo t'a pral perdre la vie au côté et bien moun ça yo même yo mouri et bien gen au moins 40 l'autre yo même qui sorti blessé côté bis là les même c'était un autobus et bien li fait collision dans état Floride avec yon camion au moins 8 moun ça yo même yo t'a mouri 40 l'autre sorti blessé qui était né l'hôpital hier mardi après yon accident ça lui même qui était impliqué yon autobus qui transporte travail agricole d'un côté Marion Floride pays les États-Unis d'après patrouille autoroute état si là et bien à peu près 53 travailleurs immigrants t'a voyagé dans autobus là sous grand route principale là dans comté nord Floride pays les États-Unis dans direction Canon Farms lui même qui poussait melon ouais là et bien c'est accident gros accident terrible qui fait dans pays si là bagaille yo pas paraître bien dit tout pays les États-Unis et bien selon information yo là et bien juge contre petit garçon président Joe Biden nan li même pour possession zama li pral commencer nan mois juin k'ap vini la yon juge confirmé ça pendant hier mardi ki 14 mai ak jugement pour possession zam contre Hunter Biden li même qui c'est petit garçon président américain qui c'est Joe Biden li pral commencer nan juin prochain après li même li te fin démenti yon demande de défense accusé pour renvoyé le jusqu'à septembre et bien pas jamais avant dans histoire États-Unis qui sont passé petit garçon yon président li même li te fait face avec un jugement nan kasa et bien yo accusé Hunter Biden parce que li même li te bay menti sous utilisation drogue li en octobre 2018 sous en forme pour acheter un revolver Colt côté qui marque Cobra calibre 38 que li même li te kembe pour un jour et bien s'entendre à la juge Jiji est amité jugement pour le fait contre petit garçon président Biden n'a pour ça seulement pour possession d'arme et puis ici là les mêmes toute Amérique est capable porter d'arme mais pareil même yo gagne ligne pour prendre des pour violer ligne et bien va tomber bien rapide en bas accusation la loi dans pays États-Unis toujours sur l'échelle internationale officiel américain et chinois planifie un rendez-vous dans pays là au Suisse. Pour qui ça, autorité américaine avec chinois ont planifié rencontre si là dans pays la Suisse et bien c'est pendant journée hier c'est pour même yoté parler sur problème sécurité qui gagne et bien dans servi avec intelligence artificielle autorité américaine yo même yo chita causé Genève yo même yo pas poil ouvert porte pour la Chine influencer politique technologie à États-Unis d'après dirigeant américain yo même qui représentait des pays yo même yo pral parler sur moyen pour réduire danger qui gagne dans servi avec intelligence artificielle et bien Pékin à Washington dans une course serré pour dominer domaine ça la Chine servi avec lui dans secteur sécurité civile et militaire d'après une autorité américaine qui donc la Chine lui-même qui déjà a fait gros par dans domaine insécurité et bien d'après autorité américaine il continue Jean que Pékin servi avec intelligence artificielle Saka compromettre sécurité nationale États-Unis ak allié yo dans discussion que yo même yo te fait États-Unis pour gagner pour présenter li Conseil sécurité nationale Maison Blanche là ensemble avec département d'état avec département commerce qui donc TikTok là déjà c'est un point qui parle en pile sous table Agence l'ONU yo fait connait presque 4500 moun quitté ville Rafa par la force et bien Agence l'ONU pour réfugiés ou même palestiniens ou même yo fait qu'on est pendant journée lundi à la que yo estimé presque 450 000 moun qui te quitté ville Rafa dans site Gaza par la force dans semaine qui sont passé à la pendant force israélienne ou même y a poussé pour rentrer dans zone nan. Plus passé moitié dans population Gaza ou même yo te prend refuge dans Rafa les en pile palestiniens
aller l'autre bois et bien n'a couri pour la guerre Israël Hamas là et bien dans l'autre partie dans Gaza mon ça même yo a fait face gros fatigue grand goût ak la pérez aucun côté pa gen sécurité yon campo tout suite nan bataille c'est celle ça qui ta kabay espoir pour moun sa yo c'est ça qui dit nan yon déclaration agence l'ONU même sous ses coups ak travail pour réfugiés palestiniens proche yo et bien orient et bien communauté internationale la croix rouge annoncé que pendant journée hier mardi a ouvert yon l'hôpital 60 cabane nan Rafa ki donc Rafa kap suivre kap sibi pa do gros menace en bas mais Israël et premier ministre israélien lui-même qui dit de toute façon faut frapper Rafa et bien moun yo même qui rete avec en pile qui sauté les autres des déclarations si là yo de l'autre côté président là aussi a qui c'est Poutine et bien l'a fait une visite d'état dans pays la Chine pendant semaine là même ministre d'affaires étrangères chinois fait connait président Vladimir Poutine et bien lui-même il pral fait une visite d'état qui vient pour durer des jours dans la Chine dans semaine ça là Poutine pral rencontrer leader chinois qui c'est Xi Jinping pendant les mêmes visites là les mêmes qui a commencé depuis journée jeudi demain cap 16 mai 2024 là et bien Kremlin des visites Poutine là les mêmes la fête c'est sous invitation et bien Xi les mêmes la Chine a appuyé là aussi politiquement dans conflit la guerre Ukraine et puis il continue livrer matériel by Moscou mais il pas exporter zambali c'est ça décret ou même yo dit qui donc la Chine a bail il continue à soutenir même les pays États-Unis à soutenir Ukraine et bien la Chine même li soutenir Moscou côté li voyer li livrer plusieurs matériel bail Moscou mais li pas voyer ou bien li pas exporter zam bail Moscou la Chine c'était un gros marché pour exportation provision énergie et bien qui fait caisse Kremlin et bien toujours plein ministre affaires étrangères la Chine qui dit Xi pral discuter avec Poutine sous coopération dans divers domaines dans relation entre des pays et puis sous problème international avec régional qui concernait pays là donc c'est des bouche à bras que même il y a toujours entendu pour capable parler de ça et pour régler. L'autre information sur pays d'Haïti, eh bien avion militaire américain ou pas suspend a fait atterrissage dans aéroport international là tout c'est l'ouverture là c'est le journal ou tel même li publié bien bonne matin mercredi 15 mai 2024 là eh bien un avion militaire américain qui atterrit dans aéroport international Toussaint Louverture là dans Port-au-Prince bien bonne dans matin et bien qui ça le porter c'est matériel si là même c'est pour police nationale d'Haïti avec pour préparation pour recevoir force mission multinationale là lui-même qui t'a dû arriver dans pays d'Haïti c'est ça journal ou t'es fait connaître côté VOA créole tout les bail information ça et c'est information qui confirme détail yo même yo pas petit dans dernier jour ça là surtout dans dossier qui pour avec dossier force mission multinationale là qui déjà prêt pour atterrir dans pays d'Haïti selon toute dernier information malgré bandi yo paniqué yo même qui vraiment sous tension. Et bien, bois calé à la qui fait renouveler tout côté li bay pendant journée hier vini matin là et bien bois calé il fait qu'ap renouveler là dans grisier y a bay li et bien n'importe où si commencer bay li donc li pas impossible pour mouvement bois calé à lui même li ta retourner tout neuf là dans pays d'Haïti après un campi li même li ta pral fait avec PM Ariel Henry ou même qui t'a fait coquer dans tête pays là n'a pral le gouvernement PM Ariel Henry là quoi li la ministre pas intérimaire qui se boit avec mais li nan gros problème avec conseil présidentiel transition nèg conseil qui vraiment fâché nan temps avant nèg ça pas nommer moun et bien pendant au fin démissionner à une façon pour capable gagner plus moun en dedans et bien c'est 50 moun environ selon conseil présidentiel transition ministre Boisvert lui-même li sorti pour nommer dans poste diplomatique dans pays d'Haïti et bien bien rapide yo t'a pral mandé pour lui-même li retirer mais pour camper dans moun sa yo ki yo nommé pour contrôler et bien plaisir tant que ambassade en pile l'autre poste diplomatique dans pays d'Haïti et bien nèg yo même yo sorti pour continuer à gérer pouvoir yo dans pays et bien conseil là là qui déjà c'est liknat malgré conseil là pour rentrer yo toujours gien détail mais pourquoi il est là et moun qui pour le premier ministre en pile moun déjà déposé document yo et attend résultat n'a rappelé inscription si là les même cap fini vendredi cap 17 mai 2024 là pour connait qui nouveau premier ministre que nous même nous pral gagner accompagné avec conseil présidentiel transition pour un pile monde qui ouais
pa gen trop gros avenir là-dedans parce qu'il n'y a plus de goumen et en pile monde déjà ouais preuve tout qui t'a pile mes ententes entre messieurs Lamiou qui dans conseil présidentiel transition mettre qui ça tout haïtien mandé c'est sécurité la paix pour capable évacuer avec activité pour capable sortir dans un département avec un autre sans aucune difficulté donc tout monde retourne et y a suivre qui ça conseil la lui-même la porter pour payer à lui-même qui trouve dans un dernier moment qui pas capable encore côté nous pa gen pi ba ke sa. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des premières façons que vous ka fait ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe et bien ou pas regret même une seconde côté abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.